Attention! Bon, et maintenant? Putain, la porte! J'ai rien demandé du tout! C'est pas mal pour une journaliste. Je me suis entraînée. On continue. Aidez-moi avec la porte. À trois. Un, deux, trois. C'est bon. Merci. Super. Okay. Comment on va traverser? Il y a une échelle tout là-bas. On peut traverser à la nage. Sympa. Plutôt malin. Bon, ça nous avancera déjà. Allez, je vais te hisser. Ça devrait aller. Allez. Pas mal, hein? Allez. Chaton est mouillé. Parfait, c'est nickel! C'est toujours comme ça avec lui? Quasiment. Quasiment. Oui!
Il y a quelque chose là-haut? Allez, par ici! Ce sont des troupes de la résistance! J'ai vu ça? Allez, on doit se manier. Parfait. On devrait être en sécurité. Cool. Qu'est-ce que t'en dis? Tu nous as amenés jusqu'à la bonne porte. Si j'ai bien compris, ça n'a rien d'une coïncidence qu'on se retrouve par ici. Non, pas exactement. Oh, ce que t'es vice, là. Ok, alors après quoi est-ce que tu cours, en fait? Tu vois ce symbole, là-haut? C'est la pierre de Shintamani. Nate? C'est un saphir, brut, énorme. Il vaut 10 millions. Donc, récapitulons vite fait. Tu affrontes un criminel de guerre psychopathe pour mettre la main sur une pierre précieuse mythique. Quand tu dis ça comme ça, ça paraît complètement stupide. Merci de ton soutien, Jeff. Et elle est supposée être dans ce temple. Non. En fait, la pierre est pas ici. Hé, hey, regardez non. ça. Non, elle est à Shambhala. Shambhala? Nate? Oui, tu sais, Shangri-La. Est-ce que je peux te parler, chérie? En y réfléchissant, peut-être qu'on devrait continuer cette conversation à l'intérieur. Venez. Bon, on devrait être en sécurité ici. Ton histoire colle pas, Nate. Hein? Lazarevitch court pas après l'argent. Il en a pas besoin. Il y a un élément qui t'échappe. Allez hop, on n'a pas toute la journée. Vous deux, restez là. On revient tout de suite. Bougez pas de là. Comme d'hab, une fois de plus.